je vais dans un bus, moi. C'est les vacances, je suis en voyage organisé. Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie, champignon. Ça va pas être ça, c'est pas des vacances, je le sens pas. Alors, qu'est-ce que c'est mon ordre de mission cette fois-ci? La ferme des Revels recherche employés agricoles possédant expérience et compétences pour la traite des animaux. Aminata. Ce c'est Aminata. C'est un patelin. C'est joli comme nom de ville, Aminata. Aminata. Zafferan, tout le monde descend. Donc, vous sortez d'où? Vous êtes monté où? Je sais pas. Vous avez votre ticket, s'il vous plaît? Je crois pas. Je vais être obligé de vous mettre une amende. C'est mignon chez toi. Je suis content que ça te plaise, mon amour. C'est bizarre, ma mère est pas là, Adrien non plus. Au revoir. Bon, je vais les appeler. Ça répond pas. Ils ont peut-être eu un empêchement. Ouais. Excusez-moi, vous savez où se trouve la ferme des Revels? Ah oui, c'est chez moi. Ah, parce que vous avez passé une petite annonce cherchant un ouvrier agricole et c'est ma spécialité. Joséphine Delamarre. Thomas Revel. Aminata, ma future femme. Ah, c'est... enchantée. Moi aussi. Bon, on a juste un petit problème, personne n'est venu nous chercher. Et... Mais c'est pas grave, on va se débrouiller chez vous. Oui. Désolé, Aminata. Moi, je trouve ça romantique d'être avec l'homme de sa vie au milieu des salades. Elle a une très belle vision des choses. Vous avez une fiancée écolo. Ça fait longtemps que vous faites ce métier? Ouf, ça fait très très longtemps. Et vous avez quel genre de bête? Essentiellement des primes Holstein. Des primes ou quoi? Enfin, je veux dire, c'est quoi? Vous le savez pas? Ce sont des laitières. Tu vois pas qu'elle plaisante, elle te fait marcher. Elle m'a bien compris, j'adore blaguer. Ouais, bien sûr que si, des Primostein, mais parce que j'avais compris Primostein, sacré bête. Hein. Ah bah ça, c'est les meilleurs. Hein. On a déjà gagné plusieurs concours. Ah bon, vous faites des concours? Ah oui, oui. On a 120 bêtes magnifiques, sans compter les veaux. Alors j'ai besoin de quelqu'un pour l'alimentation des animaux, la traite et l'entretien de l'étable. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. C'est joli, Aminata, comme prénom. C'est de quelle origine? Je viens du Sénégal, et de Dakar plus précisément. Le Sénégal, qu'est-ce que j'aimerais avoir une mission là-bas? Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de Primostein à faire en Afrique, ça. Enfin, quand je dis mission, je veux dire vacances, quoi, dites. Vous pensez que vous allez vous plaire en France? Sans aucun doute. On se marie dans 15 jours. Vous viendrez à la cérémonie? Oh, bah, bien sûr, si je suis encore là, avec plaisir. J'adore les histoires qui se terminent par des mariages. Bientôt. Au revoir, merci. Salut. Quoi, Waldo? Couché. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas venu à la gare? Quand tu revenais aujourd'hui, j'avais complètement oublié. J'ai téléphoné tout à l'heure, t'as pas répondu. Tu crois que j'ai que ça à faire? Tu m'as laissé seule à la ferme pendant presque une semaine. Je te présente Aminata. Bonjour madame, je suis ravie de faire votre connaissance. Enchantée. Je vous ai apporté des cadeaux. Richesse est malade, elle est restée à l'étable, si tu pouvais aller la voir. Ouais, je vais y aller. J'ai le temps d'installer Aminata et Joséphine. Oui, on s'est pas présenté. Joséphine Delamarre, j'ai répondu à votre annonce. On va la prendre à l'essai. Vous tombez bien, vous. Votre employé agricole est en congé maladie, je suis débordée. Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a du boulot. Ah bah alors, Adrien, t'étais où? Exagère. T'as quand même pas oublié qu'Aminata arrive aujourd'hui, mon gros lapin, hein? Mais gronde pas, c'est pas grave. Bonjour, Adrien. Ton papa m'a beaucoup parlé de toi. Si t'as rien trouvé de mieux que de me crier dessus, ben salut, je préfère m'en aller. Adrien. Adrien, reviens!
vous dérange pas? Ah non, non, si vous savez, Joséphine, je suis tellement contente d'être là. Pourtant, vous avez une belle-mère un peu rabat-joie. Remarquez, elle ressemble à son chien, au moins. Thomas m'avait prévenu, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Elle a même pas ouvert mes cadeaux. Elle devait être un peu émue, elle les ouvrira plus tard. Enfin, il m'en faut plus pour perdre le sourire. Parce que ça, ça n'a pas de prix. Ça, c'était la première fois que Thomas est venu à Dakar. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Non, 2 mois à peine. On s'est rencontrés sur Internet. J'allais souvent au cybercafé à Dakar. Et un jour, j'ai lu une petite annonce que Thomas avait passée pour rencontrer une femme. Oh, d'accord. Je vais peut-être être indiscrète, mais la maman d'Adrien, elle est où? Elle est décédée, quand elle avait 4 ans. C'est une méningite foudroyante, c'est triste. Hein? Ouais, c'est triste. Donc si je comprends bien, avec Thomas, vous avez fait connaissance par Internet. Oui, et ensuite Thomas est venu à Dakar. Mais alors là, Joséphine, c'était le coup de foudre comme au cinéma. Bah, comme quoi la vie, c'est mieux qu'au cinéma. Hein. Vous savez, Joséphine, hein, entre Thomas et moi, là, c'est plus fort que tout. J'aimerais bien en être certaine. Pardon? Non, je dis j'en suis certaine. Ah. C'est une mamite, hein. Bon, enfin, on a de la chance, l'infection s'est pas encore déclarée. Faut absolument lui donner de l'homéopathie tout de suite. Je vais chercher les médicaments. Maman, tu peux m'expliquer ton comportement avec Aminata? Tu savais très bien qu'on arrivait aujourd'hui. Et puis t'as même pas regardé ses cadeaux. Tu voulais quoi? Que je joue les hypocrites et que je lui tombe dans les bras? Mais qu'est-ce que t'as contre ce mariage? Tu la connais même pas. C'est quoi le problème? Sa couleur de peau? Pas du tout. C'est juste que ça peut pas coller entre vous. Elle est trop différente de toi. Tu es en train de refaire la même erreur qu'avec Maud. Laisse-moi tranquille, hein, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir. Tu sais très bien que si elle n'était pas morte, vous auriez fini par divorcer. Et pourquoi tu es allé chercher cette fille en Afrique? Tu cours vraiment après les problèmes. J'ai le droit d'aimer qui je veux. Et pour Adrien aussi, c'est très bien que je me remarie. Pas avec cette femme-là. Non, mon lapin. Et moi, je dois aller au village porter un papier pour le mariage. Tu viens avec nous? Non, j'ai pas envie. Comme tu veux. Hein? Moi, je peux venir, j'aimerais bien visiter le village. Ah non, c'est pas possible! J'ai du boulot pour vous, faut remplir les mangeoires des vaches. Eh ben voilà, ça c'est fait. Allez, au boulot maintenant. Salut Gilles. Ah. Je te présente Aminata, ma fiancée. Elle arrive de Dakar. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Bonjour Jeanne. Bonjour. Je suis Jeanne Martin, maire de Saint-Ferrand. Soyez la bienvenue. Merci madame. Voilà. Vous pouvez m'appeler Jeanne. C'est Jeanne qui va nous marier. Oui, et je m'en réjouis. Plus personne ne se marie de nos jours. Moi ça me manque. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis une romantique. Tiens. Je t'ai apporté le papier du notaire pour le contrat du mariage. Parfait. Je garde ça précieusement dans votre dossier. J'espère que vous vous plairez ici. Vous avez eu le temps de visiter le village? Non, pas encore, mais j'ai hâte. Tiens, c'est Daniel. Il te cherchait tout à l'heure. La copain d'enfance, viens. Oh, Daniel! Salut, Thomas! Tu sers quelque chose? Je veux bien une eau qui pique. Mademoiselle, enchantée. Bonjour, monsieur. Ah bah, je comprends pourquoi il t'a dû vous montrer, hein. Vous êtes tellement ravissante. Il voulait vous garder pour lui tout seul. Merci. Alors, moi, je tiens la boulangerie qui est juste derrière l'église. Alors, n'hésitez pas à venir, ça me fera toujours plaisir. Alors, tu vas te régaler, il fait le meilleur pain de la région. Alors, comme ça, vous allez épouser mon vieux copain? Vous savez qu'on se connaît depuis... Hein? Oh là, depuis la maternelle. Au moins, ouais. Hein? On a fait les 400 coups ensemble. Toi, t'as fait les 400 coups? Bah, hey, il vous a pas tout dit, hein. Il est pas fou, l'oiseau. Bon, allez, je vous laisse. Hé, hey, vous avez vu la fiancée de Thomas, là? Elle est superbe, hein. Il est pas mal non plus, lui, hein. Alors, de toute façon, une Africaine qui trouve un Français prêt à la sortir de sa misère, hein, elle s'en fout de son physique. Dis donc, Gilles, qu'est-ce que c'est que ces insinuations? C'est vrai, ça? Vous êtes mauvaise langue. Il a l'air amoureux d'elle, hein. Ah, lui, c'est vrai, ça n'a pas de doute, mais elle, ça m'étonnerait vraiment qu'elle soit amoureuse de lui, hein. Et pourquoi elle pourrait pas l'aimer? Et parce qu'elle fait ça uniquement pour avoir des papiers. Et évidemment, il n'y a que notre petit Thomas pour pas s'apercevoir de son petit manège.
De toute façon, moi, je sais de quoi je parle. J'ai un cousin qui s'est fait avoir exactement comme ça. C'est parce qu'elle est étrangère que tu te permets de l'accuser comme ça sans même la connaître? Moi, je trouve ça bien qu'il y ait des étrangers ici parce qu'on en a marre de voir tout le temps les mêmes têtes. Bah, vous êtes nouvelle, vous? Oui, je viens d'être embauchée à la ferme des Revelles. Elle est bizarre, votre pétillante, elle a pas de bulle et ça m'a écœurée. Eh ben dis donc, question préjugé, on a deux ou trois champions dans ce village. Entre le patron du bistrot, la mère de Thomas, pas de sympa à Minata. Ça va, il est que 5 heures. 5 heures. Eh ben, ils ont été appréciés, les cadeaux d'Aminata. Ce truc, on dirait une cornemuse. Oui, oui, moi aussi, je sais faire ça. Oh là là, pourquoi j'ai accepté cette mission? Oui, là, t'es pas très douée, hein, t'as jamais trait une vache. Ah, tu rigoles? Arrête de raconter des bêtises, toi, tu seras aussi forte que moi. Excuse-moi, mais... Bah, parce que ça se voit que t'as jamais fait ça. Oui, bah, bon. Ça va comme vous voulez, Joséphine? Ah, ok. Ah, celle-là, il faut me la soigner, hein, c'est Doucette. Elle est craintive. Ah, c'est Doucette. Sacrée vache. Ah, ça, trois fois le prix de la meilleure mamelle. Tenez, regardez sa mamelle. Regardez, là, voyez la tache arrière, vous voyez? C'est ça qui a séduit le jury. Ah ben, c'est sûr, dès que la mamelle est attachée à l'arrière, c'est bien. Elle, c'est Pastille. Ça va, ma Pastille? Ah, prix de la meilleure mamelle 2003. Elle est dégouline. Surtout, vous n'hésitez pas à leur parler, à les toucher... Vous savez comment sont les vaches, hein? Elles ont besoin d'affection. Ça, c'est comme les humains, hein? Ça se bichonne. Ah, ma pastille. Hein? Voilà, attention. Oh ah, il pleut comme vache qui pisse. Ça booste. Ah, les risques du métier, Joséphine. Hein? Sacré débit. Bon, ben, je vais les emmener auprès moi-même ce matin, puis je vous laisserai faire demain, le temps qu'elles s'habituent à vous. C'est une bonne idée. Enfin, je veux dire, oui, ce sera mieux comme ça. D'accord. Voilà. Il y a votre maman, je crois, elle a oublié des cadeaux d'Aminata dans la cour. Ah oui. Merci, Joséphine. Bah, bonne promenade avec les filles. Ça va pas passer une promenade, hein? Allez. Les filles, vous allez avec papa dans le pré-pré. Ah, voilà. Ça va vous faire du bien. Je vais prendre une douche. Au revoir, mon cousin. N'oublie pas ton goûter, il est dans ton carton. Merci, mamie. Au revoir. Rien. Écoute, Adrien, je voudrais que tu sois un peu plus gentil avec Aminata. Je t'ai pas élevé comme ça, qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu sais, c'est pas parce que je me remarie que je vais effacer d'un coup tout ce que j'ai vécu avec ta maman. Je continuerai à m'occuper de toi comme avant. C'est pas vrai, tu seras tout le temps avec Aminata. Oui, mais on fera plein de choses ensemble, tous les trois. Elle adore les enfants. J'y vais, je suis en retard. J'ai oublié lui. Mais qui c'est qui a inventé un animal pareil? Waldo, couchez. Joséphine, j'ai besoin de vous. Mais c'est-à-dire que j'allais... Il faut décharger les sacs de la camionnette. Ce sont les granulés pour les veaux. C'est comme si c'était fait. Oh la vache. J'aurais dû prendre option haltérophilie. Pourquoi vous ne prenez pas le diable? Le diable? Ah, c'est ça votre diable, pardon. Je peux vous donner un coup de main? Je ne peux pas rester là sans rien faire.
je me change et puis j'arrive. Ah bah c'est pas de refus, hein. Non, non, Aminata, ne vous mêlez pas de ça. Joséphine n'a pas besoin de votre aide. Si, si, si. Moi, je trouve qu'au contraire, ça irait beaucoup plus vite si on était toutes les deux. C'est vous qui dirigez cette ferme? Si vous voulez vraiment nous aider, laissez-nous travailler. Et vous dépêchez-vous de libérer la remorque. Pourquoi pas sourire à la naissance, hein? Allez! Pourquoi t'as pas demandé à ma mère ce que tu pouvais faire? Mais si, je lui ai demandé, mais elle m'a dit que la seule façon de vous aider, c'était de vous laisser travailler. Allez, on avance! Allez, on! Maman, pourquoi t'as refusé l'aide d'Aminata? Ah non, non! Aminata, vous n'avez pas bien compris! Vous vouliez aider Joséphine, mais elle est à l'essai, je dois voir comment elle s'en sort toute seule. Allez! Mais je vais vous trouver quelque chose à faire, c'est pas un problème. Je vois. Allez, à tout à l'heure, mon amour. Allez, fille, on avance! Allez, hop! Allez, ma belle. Oh non, j'en peux plus à ce rythme-là, j'appelle le SAMU. Bon, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Demandé de nourrir les veaux, alors je dois leur donner des granulés. Des granulés? Ah, oh, ben c'est bien. Il est mignon celui-là. Hein? Je comprends pourquoi Thomas parle de ses bêtes avec autant d'affection. Il paraît qu'on doit séparer les veaux, sinon ils se têtent entre eux et les femelles vont avoir les mamelles déformées. Vous devenez une vraie fermière professionnelle, hein, chapeau. Aminata, j'ai pensé à quelque chose. Si vous alliez chercher Adrien à l'école à 16h, ça vous ferait l'occasion de discuter avec lui? C'est vrai, c'est une bonne idée, oui. Ah bah voilà. Bon bah je vous laisse travailler. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Joséphine. Comme d'habitude, bien cuite la baguette. 3 centimes. Excusez-moi, je te laisse la boutique, là j'ai une course à faire. D'accord. Ça sert à rien. Vous l'avez vu? Bonjour, je m'appelle Nathalie. Mon fils est dans la même classe qu'Adrien. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. Merci. Je m'appelle Aminata, mais je suppose que vous me connaissez déjà. Oui, tout le monde sait qui vous êtes au village. Ah, Daniel, vous venez chercher vos enfants? Ah non, moi j'en ai pas, je suis célibataire. Mais bon, c'est l'heure de ma pause, hein. Faut bien se reposer un peu. Alors, comment ça se passe à la ferme? Ouais, vous pouvez être franche avec moi, hein. Je la connais bien, Claudine. Ça doit pas être facile avec elle, hein? C'est vrai que je crois que je ne suis pas la belle fille dont elle rêve. Aminata, vous savez, Thomas, c'est un type formidable. Mais son gros problème, bah, c'est sa mère. Eh oui, elle fait vide autour de lui. Enfin, moi, je vous dis ça, c'est juste pour vous prévenir que bah, ça va pas être simple. Je sais, mais j'ai l'intention de me battre. Ouais, en tout cas, hein. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, les amis, c'est fait pour ça. Merci, c'est gentil. Allez, au revoir, Minata. Au revoir. Hé, hey, Adrien, il y a ta nounou africaine qui t'attend. C'est pas ma nounou, c'est la fiancée de mon père. C'est sa nouvelle mère, sauf qu'il y a un truc qui va pas. Elle est noire. Ah non, africain, c'est comment? Ah, y'a gogo, goulou goulou. Pourquoi t'es venu me chercher? Tout le monde se moque de moi, moi. Adrien! Adrien! Qu'est-ce que ça fait que je vienne d'un autre pays? Hein? Ma peau est plus foncée que la vôtre et alors? Ils sont idiots tes copains pour avoir des réflexions pareilles, hein?
Tu dois mieux les choisir. Je t'ai rien demandé, t'es pas ma mère. Je veux plus que tu ailles me chercher à l'école. Alors, Adrien, comment ça s'est passé à l'école? D'accord, c'est ce qu'on appelle un silence éloquent. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Aminata, qu'est-ce qu'il y a? C'est Adrien, il a honte de moi. Depuis toutes ces femmes qui me regardent bizarrement à l'école, là. Non mais attends, c'est un petit village ici, tout le monde se connaît. Alors forcément, quand quelqu'un de nouveau arrive, qu'il soit jaune, vert, rouge, bleu, noir, les gens se posent des questions. Faut juste leur laisser un peu de temps. Moi, je fais quoi en attendant? Je tends l'autre joue? Eh ben, dis donc, les soupes au lait, ça va pas être simple, hein. C'est pour vous, cadeau de la maison. T'as du pain aux olives, aux noix et puis aux quatre céréales. Sympa ça, merci Daniel. Je passerai chez toi les déposer. Alors, comment ça se passe l'installation d'Aminata? Elle s'entend bien avec ta mère et puis Adrien? Tu sais, elle vient à peine d'arriver. Ouais. Dis-moi Thomas, je peux te poser une question? Bah ouais. Voilà, je voudrais pas être indiscret mais... Mais quoi? Bah, c'est à propos d'Aminata. T'es vraiment sûr de ses sentiments pour toi? Bah évidemment, ouais. T'es mon ami? Je peux te parler franchement? Bah j'espère. Ouais. Elle a quel âge, cette fille? 25 ans. 25 ans. C'est jeune, ça. À ton avis, combien de temps elle va se contenter de vivre ici, là? Hein? Loin de tout. Tu cherches quoi, là? À me dévaloriser? Bah, j'étais sûr que tu te prendrais mal. Je veux t'ouvrir les yeux, moi, Thomas. Hein? Cette fille, un jour, elle va vouloir sortir, s'amuser, s'éclater, comme toutes les filles de son âge. Tiens, elle va même te demander de vivre en ville. À Paris, peut-être. Non, allez, pas comme ça. Tu te trompes complètement. Mais j'espère pour toi. J'espère. Écoute, pardon si je t'ai choqué, mais... moi, j'ai pas envie de te voir malheureux, quoi, c'est tout. Tu m'en veux pas? Non. Bon, j'y vais, j'ai du boulot. Travaille bien. Salut, Thomas. On a 5 veaux malades, diarrhée aiguë, j'ai appelé le vétérinaire. Praline est très faible, j'ai peur qu'on la perde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, mais... Aminata a fait une bêtise. J'ai expliqué à Aminata les différents compléments alimentaires, mais elle a tout mélangé. Praline a reçu l'alimentation d'un veau de 6 mois. La semaine dernière, elle était encore uniquement au lait. Papa, elle va mourir? J'en sais rien, Adrien. Mais non, mon poussin... Elle est forte, Praline, elle va s'en sortir. On fait pas ce métier sans l'avoir appris. Et tu m'as demandé de trouver quelque chose pour Aminata. C'est ça. Bientôt, ça va être de ma faute. Je savais pas que c'était pas la même nourriture pour tous les veaux. Ta mère me l'avait pas expliqué. T'as pas dû comprendre. C'est pas grave, hein. Si, c'est grave. Je vois bien que t'es mal, hein. Et Adrien aussi. Si Praline meurt, je ne le pardonnerai mais pas. Non, le vétérinaire dit qu'elle va s'en sortir. Je ne supporterai pas de servir à rien ici. Et si tu t'occupais des repas? J'oublierai jamais de ma fille de bœuf que tu m'as préparée à Dakar. Ta mère voudra jamais à la cuisine, c'est son domaine. Mais je vais lui demander. C'est vrai. Ce serait formidable. Ah, et puis il faut absolument qu'on s'occupe du mariage, hein. Il faut qu'on aille choisir ta robe, les alliances, tout ça. Pour le voyage de noces, tu voudrais partir où? Tu sais ce qui me ferait plaisir? Non. C'est d'aller à Paris. À Paris? Mmh. Pourquoi tu veux aller à Paris? Ben, c'est la capitale. Et puis il paraît qu'il y a plein de choses à faire là-bas, on s'en ira pas 2 secondes. Parce que tu t'ennuies ici? J'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu as? Non, rien, rien. Alors dis oui. Si ça te fait plaisir. Je t'adore, mon amour. Moi aussi. Ah!
regardez, je m'en fous. J'ai l'impression d'avoir été piétinée par un troupeau de mammouths. J'ai pas envie de me lever. Remarque, on peut faire plus simple. Hein. Prête pour la traite, les filles? Et c'est parti. Joséphine, vous êtes réveillée? Oui, oui, je suis habillée, j'allais descendre là. Dépêchez-vous, hein, les vaches vont pas se faire toutes seules. Eh ben si, justement. Pardon? Non, je dis, je descends. Allez, on y va. Va, va là-bas, va là-bas. Les retardataires là. Oh, toi t'es trop gros, je vais te faire maigrir. Allez, va là-bas. Voilà, c'est bien. Allez, Camille, avance. Clarisse, faut pas passer la seconde. Joséphine. Ah, oh, Aminata, vous allez où comme ça? Je vais faire des cours, c'est moi qui m'occupe du déjeuner. Ouh, super, Chambre va se régaler. Allez, les filles. Et vous savez que les petits vont beaucoup mieux? Et Praline est sauvée. Ah, bah, c'est une bonne nouvelle. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Joséphine. Attention, les filles, laissez passer la dame. Hop, hop. Moi, j'aimerais mieux aller faire les courses avec Aminata parce que je suis nulle en gardienne de vache. Marc, j'ai une idée. Ah ben voilà, je suis pas si nulle que ça. Mince, il en reste une. Et voilà. Vous avez des frères et sœurs, Aminata? Oui, j'ai deux frères et deux sœurs. Et vous faisiez quoi quand vous étiez au Sénégal? Je travaillais avec ma famille. Mes parents tiennent une supérette à Dakar. On habitait tous ensemble avec ma grand-mère et vraiment, il y avait une de ces ambiances, on riait tout le temps. Ici, c'est pas pareil, c'est plutôt chacun pour soi. Ah ben non, regardez, Thomas vit avec sa mère. Ah peut-être, mais on ne se sent pas très unis. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas très chaleureux, mais ça s'arrangera. Et puis ici, il fait tout le temps froid. Même en plein été, moi, je grelotte. Aminata, si on se tutoyait, ce serait pas plus chaleureux? D'accord, Joséphine. Toi, t'es vraiment différente des autres. À croire que tu viens pas de cette planète. Pas tout à fait faux. J'ai peur à plat français. Je vais pas changer les habitudes de la famille. Oh bah c'est dommage, moi j'aurais adoré goûter ta cuisine sénégalaise. En plus, Thomas est déjà conquis et Adrien, je suis sûre qu'il va aimer. Tu crois? Je te dis que j'en suis sûre. Alors, je vais faire un poulet yassa, spécialité du Sénégal. Yes! Joséphine, tu peux me rendre un service? Bien sûr! Il faudrait que tu ailles me chercher un gros poulet dans la basse-cour. Un poulet vivant? À ton avis, tu crois que je vais mettre un poulet vivant dans la cocotte? Ah ben non. Ah ben non, alors tu le tues, tu le plumes, ça te pose un problème, ça? Ah ben non. Allez, viens là, toi, viens là. Viens, Fofou, viens, viens là. Viens là. Viens, viens, viens. Beaucoup de progrès. Mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es pas à l'école? Ah non, ça y est, c'est les vacances. Ah, t'as de la chance. Petit, 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 petit. Petit, petit. On regarde pas comme ça. Bon, si ça se trouve, t'as une famille. Ah ouais, t'as plein de petits poussins. Bon, allez, fais pas cette tête-là. Je te laisse retourner chez toi pour faire des orphelins. Hop là. On va se débrouiller autrement. Ah ben voilà. Toi, je te connais pas, je sais même pas ton prénom. Puis t'as qu'à pas être là. À table.
c'est quoi? C'est une mangue. T'en as jamais mangé? Tu pourras les éplucher, comme ça on pourrait faire une salade de fèques avec les bananes et les pêches. Comment on les épluche? C'est pas compliqué, regarde, je vais te montrer. Tu coupes comme ça, tu fais attention. Hein. Les noyaux, tu les retires. Mm-hmm. Et après, la chair, tu la coupes en morceaux, comme j'ai fait ici. D'accord. Tu vois? Ok. Allez. Mais tu te débrouilles comme un petit chef. Tu peux goûter si tu veux, regarde. C'est bon. Ah. Ça y est, je crois que j'ai trouvé le plus beau. Ah, t'as embauché un apprenti? Et heureusement qu'il est là, celui-là. Adrien, mange pas ça, tu vas te couper l'appétit. Allez, viens débarbouiller, t'en as partout. Ah, puis elle fait un drôle de bruit au démarrage. Tu vois ça assez vite, j'en ai besoin, hein. Je t'appelle dès que c'est prêt. Je te remercie. Michel, je t'ai laissé le chèque sur le conteneur, ok? Ok, ça roule. Thomas, dis donc, j'ai aperçu ta fiancée ce matin. Hein? Tu pourrais lui dire quand même de s'habiller correctement. Elle se croit sous les cocotiers ou quoi? Pourquoi tu dis ça? Je te dis ce que je pense, hein? Il semble pas qu'on soit sur une plage en Afrique ici. Alors, un petit peu de décence. Je te permets pas de parler d'elle comme ça. Bah, tu devrais te méfier, tu vois. Parce que cette jeune fille, elle me paraît pas très claire. Ça sent vraiment bon. C'est le poulet d'Aminata? Oui. Voyons ça. Oh, on va se régaler. Tu t'es pas moqué de nous, hein? Ah oui, et j'ai pas tout fait toute seule. C'est Adrien qui a préparé le dessert. Allez. Viens, mon lapin. À vous. Pas trop. D'accord. Tiens, Adrien. Merci. Vous savez où on va aller, Thomas et moi, en voyage de noces? Ah non? À Paris. À Paris, j'adore cette ville. Tu es déjà allée? Ah oui, je suis allée plein de fois. Mais pas en voyage de noces, hein. En plus, il y a plein de choses à faire. On peut sortir en boîte. Bon, ça suffit maintenant avec Paris, quoi. Bon, allez, surgeleur à ton poulet. Ah oui. Bon appétit. Bon appétit. Mangeable. Vous savez, on n'a pas l'habitude de manger aussi épicé. Je le sais. Surtout pour Adrien, j'ai pas mis beaucoup de piment. Vraiment, je comprends pas. T'as pas dû te rendre compte? Non, mais je suis pas folle. J'ai mis un quart de ce qu'on met d'habitude et là, même pour moi, il y en a trop. Vous me croyez pas? Non, mais tu t'énerves pas. Mais si, je m'énerve. Parce que si c'est pas moi qui ai mis ces piments, c'est forcément quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue rien. Attends, ça suffit, Aminata, là. Ton plat est un peu épicé, c'est pas la fin du monde. Amina? Excusez-moi. Ah, quel gâchis. Adrien, tu veux bien aller me chercher 6 œufs au poulailler? Je vais vous faire une omelette. J'ai compris. Je laisse tomber, je m'occupe plus de la cuisine. C'est comme pour les veaux. Ta mère, elle a fait exprès de rien m'expliquer pour que je me trompe.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu comprends pas qu'elle veut pas que je trouve ma place? Tu te fais des idées, là. Pourquoi tu prends jamais ma défense? Est-ce que tu comprends ce que je vis? Tiens, regarde les gens qui me regardent de travers au village. Attends, arrête un peu de jouer les victimes, tu veux? Pourquoi tu me dis ça? Je sais pas. Regarde comment t'es habillée, c'est pas une tenue pour aller au village, ça. Tu l'as toujours adoré, cette tenue. Mais ça n'a rien à voir. Simplement, je veux pas qu'on puisse penser que t'es provocante, voilà, c'est tout. Moi, je suis provocante. Mais j'en sais rien, Écoute, ce que je sais, c'est que c'est à toi de t'adapter aux gens d'ici, voilà, c'est tout. Alors fais un petit effort, hein. Voilà, c'est comme ton obsession d'aller à Paris, là. Il est passé bien pour toi, ce village? On est des bouseux, c'est ça? Écoute, je comprends pas bien tout ce que tu dis, hein. Mais on en reparlera quand tu seras calmé. C'est ça. C'est moi qui dois me calmer. Pauvre Aminata, une fois de plus, elle voulait faire plaisir à tout le monde. Une fois de plus, ça a raté. Ça veut dire quoi? Vous aussi, vous m'accusez d'avoir mis des piments dans le plat? Ah non, je me permettrai pas. Pourquoi vous êtes sentie visée? Vous êtes qui pour me dire ça? Vous croyez que je souhaite le malheur de mon fils? Au contraire. Je dois le protéger. Il n'a jamais été capable de choisir une femme qui lui convienne. Ça se passait pas bien avec son ex-femme, Maud, je crois. Quand elle est morte, ils étaient au bord du divorce. Maud venait de la ville, elle détestait la campagne. Thomas, lui, sa vie, c'est sa ferme, c'est bête. Je savais dès le départ que ça marcherait pas. Oui, sauf que Aminata n'est pas Maud, vous pouvez peut-être lui laisser une chance, non? Mais c'est maintenant que Thomas doit se rendre compte de son erreur. Dans quelques années, ce sera beaucoup trop douloureux pour lui. Je ne veux pas que mon fils et mon petit-fils soient malheureux. Alors, je vais dire quelque chose qui va sûrement pas vous plaire. Mais c'est vous qui avez peur d'être malheureuse, parce que c'est vous qui avez peur de vous retrouver toute seule. Oh, Joséphine, ça suffit! Vous dépassez les bornes! Bah, qu'est-ce qui se passe, Aminata? Vous en faites une petite mine. Vous avez des ennuis? C'est Claudine. Ça devient vraiment infernal à la ferme. Encore elle? Ah, mais je vous l'avais dit qu'elle vous ferait pas de cadeau, hein. Je sais plus quoi faire. Bah, y a rien à faire. Elle changera pas. Et puis Thomas, je le connais bien, hein. Il est parti pour faire l'autruche. Ah non, y a que son boulot qui l'intéresse. De quoi je me mêle? C'est une drôle de vie qui vous attend à la ferme. Et puis les paysans? Eh ben, ils travaillent 7 jours sur 7. Ils prennent jamais de vacances. Ça, c'est pas le plus grave. Aminata, vous valez mieux que ça quand même, non? Hein? Non, mais oh. Moi, je peux vous offrir plus. Ma boulangerie, elle marche très bien. Hein? Et puis, j'ai un tas d'économies. Vous aurez une vie plus confortable. Puis, on fera un tas de trucs ensemble. On peut même partir en voyage. Mais à quoi ils jouent? C'est ton copain Daniel, non, lui, il est dingue ce type, hein. Il m'a sauté dessus tout à l'heure. Il m'a dit que je serais plus heureuse avec lui qu'avec toi. Non, mais tu te rends compte? En plus, il fait croire qu'il est ton ami. Tu plaisantes, là? Je te jure que c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a pris avec Aminata? T'es devenu dingue ou quoi? Comment ça, ce qui m'a pris, hein? C'est plutôt elle qui va pas bien, oui? Je comprends pas. Mais je vais t'expliquer. Figure-toi que je faisais ma tournée et je l'ai rencontrée sur le chemin de la ferme. Alors moi, je me suis arrêté pour la saluer. Et là, elle m'a raconté qu'elle vivait un enfer avec ta mère. Elle m'a dit qu'elle avait peur. Peur de ne pas être heureuse avec toi. Elle m'a même laissé entendre que si je voulais, vu que j'étais pas agriculteur et que j'avais un bon commerce, que... Tu vois? Je te crois pas. Mais pourquoi je te mentirais? On est des amis d'enfance, non? Elle, tu la connais à peine. Elle est là par intérêt, je te dis. T'es vraiment un pauvre type.
Thomas. Faut que je te présente quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux? Viens, viens. Jeanne, tu peux venir aussi, je pense que ça te concerne. Lui, c'est mon cousin. Même Francis. Je t'en ai parlé. C'est lui qui a fait un mariage bon sans le savoir. Tu vas pas recommencer. Qu'est-ce que vous avez tous avec Aminata? Pourquoi elle pourrait pas m'aimer tout simplement? Merde à la fin! C'est vrai, Gilles, laisse-le tranquille avec l'histoire de ton cousin. Ça n'a strictement rien à voir. Et donc toi, je te signale qu'en tant que mère, c'est ta responsabilité que t'engages en faisant ce mariage. Écoute, Thomas, moi je te demande juste d'écouter ce qu'il a à dire. Et après, tu fais ce que tu veux, d'accord? Allez, venez. Francis. Bon, allez, vas-y, raconte ce qui t'est arrivé. Vas-y, raconte. L'année dernière, j'ai épousé sa fille. Une Camerounaise. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle allait me rendre heureux. Tu parles. Quand elle est tombée enceinte, c'était calculé. Une étrangère qu'un enfant avec un Français obtient d'office une carte de séjour de 10 ans. Une fois que notre fils est né, elle a raconté que je la frappais. Et a demandé le divorce. Vous n'êtes pas défendu? J'ai essayé, mais elle a fourni des faux témoignages contre moi. Et maintenant, Francis, il doit payer une pension alimentaire pour son ex-femme et pour son enfant, qu'il n'a même pas le droit de voir. On peut dire lui qu'il a tout perdu. Hein. Thomas, écoute, je suis sûre qu'Aminata est une femme bien. Mais tu la connais à peine. Vous pourriez peut-être vous donner le temps de la réflexion, non? Après tout, il n'est pas si urgent ce mariage. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, Daniel? Il s'est excusé au moins? Enfin, lui, il prétend que c'est toi qui lui as fait des avances. Quoi? Mais il est fou, ce type! Et Thomas, tu vas quand même pas le croire. Non, bien sûr, mais... Tu mets ma parole en doute? C'est pas la peine de se marier si t'as pas confiance en moi. Ben justement, quoi, enfin... À propos du mariage... Quoi, à propos du mariage? Je sais pas, tu crois pas qu'on a un peu précipité les choses? On n'est pas si pressé, finalement. On n'est pas pressé. Et c'est toi qui me dis ça? Moi, figure-toi, je suis pressée. J'ai envie de me marier avec toi et avoir des enfants avec toi. Pourquoi? Pour avoir tes papiers, c'est ça? Thomas, t'es vraiment dégueulasse. Allez, Fifi, on rentre à la ferme, c'est l'heure de la traite. Allez! Hey, tu peux pas faire tes besoins à un autre moment, toi. On y va! On bouge comme ça, 1 km à pied, ça use les sabots. Tu sais, Joséphine, fais-moi l'occuper. Ça va? Vous avez l'air énervé. Il y a eu un problème avec Aminata? On s'est engueulé. Vous voulez me raconter? Non, j'ai pas envie de vous en parler. Arrêtez de vous mêler de ce qui vous regarde pas. C'est pénible à la fin. Oh là là, tête de cabosse. Allez. Parce que moi, je ferais mieux d'aller voir Aminata. Bah, qui c'est Fabrique? Ah non, pas toi. Tu vas où comme ça? J'en sais rien, mais je reste pas là. Thomas veut plus se marier avec moi. Comment ça, il veut plus se marier? Il croit que je veux l'épouser pour avoir des papiers. J'en ai marre, Joséphine. Tout le monde est contre moi. Claudine, Daniel, Adrien, et maintenant c'est Thomas. C'est trop. Attends, moi je suis pas contre toi, donc tout le monde n'est pas contre toi. Et tu fais quoi là? Tu veux partir en stop au Sénégal? Non, sûrement pas. Je peux même pas me payer un billet de retour, j'ai juste de quoi passer 2-3 nuits à l'hôtel, mais je retournerai pas à la ferme. Eh ben d'accord, on va trouver un hôtel. Allez, viens. C'est mignon, non? Je dis pas à Thomas que je suis venue ici. J'espère que ça le fera réfléchir. Ah non, moi je dirai rien, je te promets, je serai muette. Comme une muette. Aminata, tu m'as dit que tu voulais pas retourner au Sénégal. Pourquoi? Parce que j'ai envie de changer de vie.
Tu as des problèmes là-bas? Écoute, Joséphine, j'ai pas envie d'en parler maintenant. T'oublies ce que je t'ai dit, d'accord? Bon, de toute façon, faut que je m'en aille parce que ça va être l'heure de la traite du soir. Et mes filles, elles attendent pas. Elles sont ponctuelles. Bon ben, à bientôt. Joséphine, vous savez où est Aminata? Ah non, moi je suis au courant de rien. Je fais comme vous m'avez dit, je m'occupe plus des affaires des autres. Je suis sûr que vous savez où elle est. Oui, mais vous le saurez pas, vous. Elle a besoin d'être tranquille toute seule. Et ça vous ferait pas de mal non plus. Eh, j'étais là ce matin. J'ai vu ce qui s'est passé entre Daniel et votre fiancé. Elle a repoussé ses avances. Mais qu'est-ce qui vous prend? J'en ai rien à faire d'avoir une vie plus confortable, moi. Allez, allez. Laissez-moi! Mais qu'est-ce qui te prend? Petite garce! Quel salaud! Alors, vous, vous êtes incroyable. Quand c'est moi qui vous raconte, vous me croyez. Quand c'est elle, vous ne la croyez pas. Eh ben, c'est ça qu'elle ne supporte plus. J'ai rencontré un type qui a épousé une Africaine. Elle lui a fait croire qu'elle l'aimait. En fait, c'était juste pour avoir la nationalité française. Bah, bien sûr que ça existe, ce genre de problème, mais ça ne veut pas dire que tous les étrangers sont mal intentionnés. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, et surtout ce que vous dit votre mère. Jugez pas trop vite ma mère, Joséphine. Hein. Elle n'a pas eu la vie facile. J'ai perdu mon père quand j'avais 4 ans. Elle m'a élevée toute seule. Bon, d'accord, elle a peut-être des circonstances atténuantes. Mais une chose est sûre, Aminata vous aime. Vous devez vous marier, alors concentrez-vous sur ce mariage. Et bouchez-vous les oreilles, ça vous évitera d'entendre des bêtises. Salut mon lapin. Salut papa. Elle est où, Aminata? Elle avait besoin d'être un peu seule. Tu sais, c'est compliqué pour elle. Est-ce qu'elle va repartir au Sénégal? J'en sais rien. J'espère pas. Tu l'aimes vraiment beaucoup? Ouais. Tu sais, après la mort de ta maman, je croyais que je pourrais plus jamais aimer une femme. Et puis j'ai rencontré Aminata. Je suis désolé de te faire vivre tout ça, mon bonhomme. C'est pas très rigolo. T'inquiète pas pour moi, je suis grand, ça va. J'ai fait un pot-au-feu. C'est le plat préféré de Thomas. Au fait, Joséphine, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je suis très satisfaite de votre travail. Vous faites un bon boulot. Merci, Claudine. Je veux pas manger, j'ai pas faim. Comment ça, tu n'as pas faim? Allez, tu en manges un petit peu, comme tout le monde. J'ai pas envie de manger, je veux qu'Aminata revienne. C'était mieux quand t'as été là. Eh bien, elle est partie. Ça prouve à quel point elle nous aimait. T'as pas le droit de dire ça. T'es contente qu'elle soit partie, hein? C'est ce que tu voulais. Aminata, elle a voulu me donner un gris-gris africain qui éloigne le mauvais sort. J'ai dit que je le voulais pas. À cause de toi. Calme-toi, Adrien. Laisse-moi tranquille. Ça leur passera. Vous croyez? En tout cas, elle leur a bien monté la tête. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de gris-gris et de mauvais sort? C'est vraiment n'importe quoi. C'est vrai. Vous n'y croyez pas, vous, au mauvais sort? Alors, c'est quoi le fer à cheval sur la cheminée? Ça manque de piment. Mamie, je veux pas y aller. Il y a papa qui m'attend pour ramasser le foin. Tu as le temps. Allez, viens. Tu ne comprends pas pourquoi ton père ne t'emmène jamais ici. Il dit que c'est pas un endroit pour un enfant.
C'est ta mère, quand même. Faut pas l'oublier. Je l'oublie pas. Si ta maman te voit, elle doit penser que son petit garçon l'a remplacé par la première venue. C'est même pas qui c'est, Aminata, on la connaît à peine. Moi, je serais ta maman, je me sentirais trahie. C'est pas vrai, je l'aime, maman. Adrien ! Adrien ! Adrien ! T'as vu Adrien ? Tu devais m'aider, je le trouve nulle part. Non, je pensais qu'il était rentré. On a fait une promenade, il a préféré revenir seul. Mais où il peut être, il connaît pourtant le chemin par cœur. Ouais, je pars à sa recherche. J'y vais avec toi. Non, non. Je préfère que tu restes ici, au cas où il reviendrait. Bon, je crois que je vais aller le chercher aussi. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Être grave, t'as bien fait de m'appeler. J'étais sûre que tu viendrais nous aider à le chercher. Mais c'est tellement grand ici, comment on va faire pour le retrouver? Bah, on peut se séparer. Toi, tu pars par là, moi, je pars par là. D'accord. C'est la première qui le retrouve, pas bien l'autre. Ok. Comment t'as fait? Il aurait pu te piquer. Mais j'allais pas le laisser t'attaquer. Et puis j'ai bien vu que c'était pas un boa constructeur. Tu sais, le Grégory que tu voulais me donner l'autre fois, j'aimerais bien l'avoir. Enfin, si c'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard. Tu l'avais sur toi? Alors c'est lui qui a empêché le serpent de nous piquer. Peut-être. Comment on dit merci dans ton pays? Dieu, Rediof. C'est du Wolof. Dieu, Rediof, Aminata. Je suis là! Ah oh bah dis donc, tu nous as fait une de ces peurs, toi! J'étais tombée dans un trou, et Aminata, elle a fait partir un énorme serpent qui voulait m'attaquer. Bah c'est grâce à toi qu'il est sauvé. Tu rentres avec nous? Non, merci, je rentre à l'hôtel. Bon, c'est dommage, Thomas va vouloir te remercier. J'ai pas besoin qu'il me remercie. J'attends autre chose de lui. Je comprends. Adrien, au revoir. À plus tard. À plus tard, Joséphine. Pourquoi elle vient pas avec toi? Bah, tu sais, c'est un peu compliqué toujours les grandes personnes. Elle viendra plus tard. Alors raconte-moi, t'as eu peur du serpent ou pas? Non, j'ai pas eu trop peur. Juste un petit peu, quoi. Si ma chanson vous embête aux bêtes, rien que pour vous embêter, je vais la recommencer. Les petits oiseaux. Hein? Papa! Ah, tu m'as floqué une de ces trouilles. Oh. Ah, la vache. Merci, Joséphine. Hein. Oh, c'est pas moi qui l'ai retrouvée, c'est Aminata. Aminata? Mais où est-elle? Bah, elle est repartie.
Et comment elle a su qu'Adrien avait disparu? Parce que je l'ai prévenu, je me disais que plus on était nombreux, plus on avait de chance de le retrouver vite. Hé hey, papa, j'étais coincée dans un trou dans les bois, et Aminata, elle a fait partir un énorme serpent qui voulait me piquer. Non! Mais si, je te jure! T'aurais vu comment elle était courageuse! Et regardez ce qu'elle m'a donné. Waouh, la classe! Ah, Adrien, mon chéri, tu es là! Oh, oh, ça va? Oh. Viens t'asseoir, viens. Oh, j'ai très très mal. Attends, attends, je vais te porter. Allez. Bon, je vais appeler le médecin, tu bouges pas. Hein. J'ai tellement peur. Tu étais où, mon chéri? C'est Aminata qui m'a retrouvée. Tu sais, ce matin, quand tu m'as amenée au salon. Ah ouais, aide-moi à aller au salon. Il faut que j'aille m'allonger, j'ai trop mal. Tu veux vous aider? Ça ira, Joséphine. Elle mijote, cette Claudine. Je te dérange pas? Oh, pardon, t'étais en pleine lecture intellectuelle. C'est un moment, là? Elle est très jolie. Moi, je trouve que tu lui ressembles. C'est bête, j'ai pas beaucoup pu la connaître. J'étais petite quand elle est morte. Ah ouais, mais je suis sûre qu'avant de partir, elle t'a donné tellement, tellement, tellement d'amour que ça, tu vas le garder toute ta vie. Adrien, est-ce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui? T'as envie de m'en parler? Mamie a demandé sur la tombe de maman. Elle m'a dit que maman, elle serait triste si j'aime Aminata. Elle croit qu'elle, je l'aime plus. Tu vois, moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'au contraire, ta maman, elle doit être très, très contente de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de son petit garçon. Si ça se trouve, c'est elle qui a envoyé Aminata pour qu'elle te protège. Alors pourquoi mamie, elle me dit ça? Ça, c'est des trucs de grandes personnes, on comprend pas tout. Mais elle va bien changer d'avis, ta mamie, tu crois pas? Si. Guerre et Dieff, c'est du Wolof. Je veux pas comprendre. Ah ouais? Nyokobok. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit Nyokobok, Tamala, Nop. Tu sais parler Wolof? Je vais me gêner. Elle doit se reposer et en faire le moins possible. Vous connaissez mal ma mère? Elle acceptera jamais de rester allongée. Avec la foulure qu'elle s'est faite, elle va pas avoir le choix. Au revoir. Au revoir, docteur, merci. Vous saviez qu'Adrien était allé au cimetière avec sa grand-mère? 100 fois de pas l'emmener là-bas. Elle lui aurait même dit qu'en aimant Aminata, il trahissait sa maman. Non. Non, non, elle a pas pu lui dire ça. Non, mais arrêtez de la défendre tout le temps. Je sais qu'elle a souffert et qu'elle a des circonstances atténuantes, mais c'est pas une raison pour utiliser son petit-fils, ni personne d'autre d'ailleurs. Joséphine, dites-moi où est Aminata. Ah non, j'ai promis que je dirais rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Joséphine, Joséphine, je vous en supplie. Allez. Elle est où? Elle est à la Bernerie. Elle est à l'hôtel de la Bernerie. La Bernerie? Et toi?
mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, on s'en fout de ma mère, elle dira ce qu'elle voudra. Aminata, écoute-moi. Il faut qu'on se donne une chance. T'es d'accord? Tu vas te faire le bagage? C'est sûr. Ben oui, c'est sûrement de ta famille. Il y a un timbre africain. Merci, Adrien. Tu l'ouvres pas? Non, je la lirai plus tard. Bon, je vais faire un peu de paperasse. Il y a le petit voix déclaré. Et les champs? Qui va s'occuper de l'épandage? Aminata. Aminata? Mais elle n'a jamais conduit un tracteur de sa vie. C'est vrai, Thomas. Il faut bien commencer un jour. Ben, Adrien va t'aider. Je suis sûre que tu sais faire ça, toi. Tu veux bien, papa? Bien sûr. Mais non, il n'en est pas question, c'est beaucoup trop dangereux. Maman, le médecin t'a dit de pas bouger, alors tu restes tranquille et tu me laisses gérer la ferme comme je l'entends. C'est clair? Vous avez fini, je peux vous débarrasser? Vous pouvez bien vous plier en quatre pour essayer de me plaire, vous n'y arriverez pas. Je sais à quoi m'en tenir avec vous. Vous vous trompez, Claudine. Je me fiche totalement de vous plaire ou pas. En Afrique, la famille, c'est sacré. Alors si une mère ou une belle-mère est invalide, c'est mon devoir de m'en occuper. Et ça, même si c'est la pire des emmerdeuses. Et toc. Joséphine, occupez-vous de Waldo, c'est l'heure de s'impacter. Je t'ai amené ton bien miam. Oui, chapeau. Oui, chapeau. Je savais qu'ils étaient faits pour s'entendre. Tiens, je croyais que les Africains étaient paresseux. Qui dit ça? Les mauvaises langues. Bon, ben ce soir on se verra au bal. Ah, c'est vrai que c'est votre bal du 14 juillet ce soir. Oui, mais Aminata et moi, on n'a pas prévu d'y aller. Alors là, vous avez tort. Quand on est heureux, il faut partager ça avec les gens. C'est le meilleur moyen de se faire accepter. Vous avez raison. Vous êtes toujours pleine de bon sens comme ça, Joséphine. Ah non, seulement les 14 juillet. Ah, il y a Nicole. Ça va, Nicole? Bonsoir, tu vas bien? On peut se mettre là? Tu veux voir quelque chose, chérie? Allez, va. Tu veux voir quelque chose? Balthazar!
Lève-toi. Non, mais ça va pas, non, c'est interdit de danser. Elle a rien fait, là, oh. Quoi, elle a rien fait? Tous les hommes la regardent avec les yeux de Merlin Free. Non, mais tu te prends où, toi? Pourquoi je laisserais tomber? C'est cette femme qui m'agresse. Vous avez vu comment elle me parle? C'est moi, la folle. Oh. Hé, tu lui demandes de parler autrement, ma copine. Attends, ça va, elle ne pensait pas, là, oh. Attends, elle me traite d'allumeuse et j'ai pas le droit de me défendre, tu veux peut-être que je m'excuse? Ouais. Oh, oh, oh. Allez, arrête, Aminata, tout le monde te regarde, tu donnes un spectacle, allez, viens. J'en ai rien à faire que tout le monde me regarde, lâche-moi. Aminata. Mais c'est pas pour qui? Toi, tu fermes ta grande gueule, ok? Et toi, tu causes autrement ma copine, d'accord? Pas, toi, hein? Ok, moi j'ai pas été dansé avec ta femme, alors tu te fermes ta gueule. Mais pour qui tu... Oh, attends, est-ce que j'ai été dansé avec ta nana, toi, hein? Mais pour ta gueule! Ouais, mais t'es gueule, ah ben, tu parles d'un 14 juillet? Ouais, ouais, ouais. Il avait une cagoule. C'est Daniel. Je suis sûr que c'est lui, putain. Je vais lui casser la gueule, moi. Bon, Thomas, calme-toi, s'il te plaît. Hein, tu nous laisses faire notre métier, ok? On convoquera demain, on l'interrogera. Aminata, tu penses que c'était Daniel? Je sais pas, il faisait trop sombre, j'ai rien eu le temps de voir. Bon, écoutez, passez demain matin, on prendra votre témoignage. Bon, je vous raccompagne. Messieurs, dames. Bonsoir. Je vais partir. Je sais pas où je vais aller, mais en tout cas, je peux plus rester ici, c'est plus possible. Aminata, je t'en supplie. Oh, j'ai besoin de toi, mon bébé. Je te demande pardon. Joséphine avait raison, si. Si j'avais su te protéger, personne n'aurait osé s'attaquer à toi. Je veux que tu restes. Je veux que tu restes. Hein? Je veux qu'on se marie, je veux qu'on ait des enfants. Je te promets qu'on va retrouver le salaud qui a fait ça, tu m'entends? Alors bon, c'est fini. C'est fini. Excusez-moi, on voudrait voir Aminata, c'est possible de lui parler? C'est horrible ce qui lui est arrivé, on peut pas laisser passer ça. Il faut qu'elle sache qu'on la soutient tous. On est désolé de ce qui s'est passé au bal, c'était ridicule. Là, elle est avec les gendarmes, elle peut pas vous voir, mais je lui dirai que vous êtes passé, ça va lui faire plaisir. Elle a besoin de ça en ce moment. Qui sait qui a pu faire une erreur pareille? C'est quand même pas quelqu'un d'ici. C'est Daniel, il est interrogé en ce moment. Il est interrogé, ça veut pas dire que c'est lui. En fait, on est tous un peu coupables. Hein. Mais moi, j'ai jamais dit de mal d'Aminata. Oh, peu importe, de toute façon, quand on se tait, on est coupables aussi. Hein. On aurait dû réagir plus vite et montrer à Aminata qu'elle était des nôtres. Et personne ne serait permis de faire ça. C'est sympa de le reconnaître. Bon, je vais lui dire. Puisque je vous dis que c'est pas moi. Thomas, je te jure que c'est pas moi. J'aurais jamais pu faire ça. Et pourquoi je te croirais, hein? Le jour, tu m'as bien juré que c'était Aminata qui t'avait sauté dessus. J'ai menti. Je sais, c'est nul. Ouais. Je m'excuse, Aminata. J'ai perdu la tête, j'étais jaloux de Thomas. Pourquoi ça m'arrive pas à moi de trouver une femme aussi belle? Je vous demande pardon à tous les deux. Bon, allez, reprenons, on en était là. Donc, vous dites que vous n'avez pas quitté le bal avant 1h du matin? Bah oui, c'est vrai. C'est sûrement pas lui, je pense qu'il dit la vérité. Qu'est-ce que vous en savez, vous?
J'ai pas une intuition. Je vous donnerai la preuve bientôt. C'est sympa d'avoir accepté de déjeuner avec moi. J'ai une de ces fonds. Ah, moi aussi. Surtout après la matinée qu'on vient de passer. Il est coriace, notre suspect. Il n'a rien voulu lâcher. Il n'a peut-être rien à dire. Après tout, personne n'a vu quitter le bal. Ah, ça ne veut rien dire. C'est vrai ce qu'on raconte? Il paraît que la fiancée de Thomas s'est fait agresser. Ouais. T'as rien remarqué de bizarre, toi, hier soir? À moi? Rien. Bah, je suis pas allé à la fête. C'est bien que j'aime pas danser. De toute façon, il faut que je finisse ma comptabilité. Bon, alors, est-ce que je vous sais? Oui? Eh ben, Allez, comment votre terrine de lapin? Très mauvais choix, je mets plein de mie de pain dedans pour que ça me revienne moins cher. C'est ce qu'on appelle de la franchise. Je voulais prendre un petit verre de vin, mais vous ne le trafiquez pas, votre pinard. Ben oui, bien sûr. Je le coupe avec de l'eau. Non, je ne comprends pas. Là, Mais tu sais que c'est interdit, ça. Quand je pense au nombre de verres que j'ai bu ici, je me suis rendu compte de rien. Ah oui, je veux dire, tu sais bien, avec ta tronche d'alcoolo, je savais bien que je pouvais faire boire n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il a. Non mais ça va pas, non mais tu sais à qui tu parles? Un soulard et un abruti. Ah non, mais c'est parce qu'il y a des trucs alors. Mais attention, hein, parce que nous on peut te coffrer. Hein. Attendez, pendant qu'on y est. Qu'est-ce que vous faisiez vraiment le soir du bal? Parce que c'est pas vous ça? Si. J'en étais sûre. Attendez, vous l'avez retrouvée où cette montre? À côté d'Aminata, une fois que l'agresseur était parti. C'est pas moi qui l'ai agressé. Hein. Ça, c'est pas moi. Si, c'est moi qui l'ai agressé. Mais je voulais juste lui faire peur. Hein. Je voulais qu'elle quitte le village. C'est bien que j'aime pas les étrangers. De toute façon, c'est vrai, ils ont rien à faire chez nous. Eh ben voilà. En fait, vous l'avez vue passer toute seule devant votre bistrot et vous l'avez suivie. Bah t'es bon, mon gars. Allez. Attendez. Ce que j'aime chez vous, mon petit Gilles, c'est votre franchise. C'est rare, les gens honnêtes à notre époque. Mais... c'est pas moi. Oh. Ah si, c'est moi. Ouais. Thomas, Aminata, votre mariage est dans 2 jours et il n'est pas question de retarder. Je te demande pardon de t'avoir demandé de faire ça, Thomas. Bon, ben en attendant, pour tenir la date, il va falloir qu'on s'y mette tous. Hein. Alors, nous, on va s'occuper du buffet et des boissons. Et pendant ce temps, vous allez chercher la robe de mariée et les alliances. Et si on se dépêche, on y arrive, hein? Merci. Merci, vous êtes formidable. Non, on aurait dû faire ça depuis le début. C'est une belle histoire, hein. Quand je pense qu'on a failli la gâcher. Pourtant, l'amour court pas les rues. Hein. Vous inquiétez pas, je suis sûre que ça va vous arriver bientôt à vous aussi. Oh, vous croyez? Thomas, Aminata, je suis très heureuse d'avoir à vous poser 2 questions capitales. Monsieur Thomas Paul-Antoine Revel, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Aminata Dembélé, ici présente. Oui. Mademoiselle Aminata Dembélé, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Thomas Paul-Antoine Revel, ici présent? Non. Qu'est-ce que c'est ça? Chut. S'il vous plaît, qui êtes-vous, monsieur? Je suis Malik Diop, le fiancé d'Aminata. Nous devons nous marier le mois prochain au Sénégal. Elle me l'a promis. Tu le connais? Non, mais je comprends pas comment il est là. Je vais pas l'épouser, Thomas. C'est toi que j'aime.
C'est vrai que tu dois te marier avec lui? Et comment? Ma famille a versé une dot à la sienne. Mais Aminata s'est enfuie. Heureusement, une dame m'a contacté à Paris où je suis de passage. Elle m'a dit de venir la chercher. D'ailleurs, il faut que je la remercie. Madame Claudine Révèle? Tu fais ça? Est-ce que vous avez eu son numéro? Vous avez fouillé dans mes affaires. J'ai fait pour ton bien, Thomas. Aminata a reçu une lettre de sa mère qui lui donnait le numéro de téléphone de cet homme pour qu'elle s'explique avec lui. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle avait une double vie. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Que tu m'en parles. Alors en fait, si tu m'épouses, c'est pour échapper à un mariage forcé. Tu peux pas croire ça, Thomas. Si je t'ai rien dit, c'est parce que Malik ne compte pas pour moi. C'est toi que j'aime. Viens, Adrien, on rentre à la maison. C'est pour ça que tu voulais pas retourner au Sénégal. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je sais pas, Joséphine. Je pensais pas qu'elle me retrouverait. Bon, maintenant, ça suffit. Tu viens avec moi. Je t'aimerai jamais. C'était Thomas, l'homme de ma vie, et tu as tout gâché. Tu dois venir. On n'a pas le droit de briser une promesse de mariage. Je te rembourserai ta dot si c'est ça qui t'inquiète. Mais maintenant, laisse-moi tranquille. Non, à votre place, je la laisserai tranquille. Sinon? Sinon, je vous explose la tronche. Alors vous, vraiment, vous ne manquez pas d'air. Pauvre Aminata, c'est horrible ce qui lui arrive. Elle n'a pas mérité ça. Hein. Non, Malik, attendez, vous allez où comme ça? Cherchez Aminata. Elle est sûrement retournée à la ferme des Révèles. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est, cette histoire de dot? Dans mon pays, la famille du marié offre une dot à la famille de la mariée pour la dédommager. Oui, mais enfin, même si vous avez payé Aminata très cher, si elle ne veut pas de vous, elle ne veut pas de vous. Je sais, mais je vais la traiter comme une reine. Elle finira bien par tomber amoureuse de moi. Ça ne marche pas comme ça ici. Hein. Aminata est amoureuse de Thomas. Elle ne pourra jamais l'oublier. C'est à vous de renoncer. Thomas, pardon de vous dire ça, mais je pense que vous êtes en train de faire une énorme bêtise. Aminata vous a pas menti, elle vous aime vraiment. Ah oui? Alors pourquoi elle m'a pas parlé de ce mariage? Mais parce qu'elle avait peur que vous le preniez mal et elle avait pas tort. Elle n'a jamais aimé cet homme, elle a jamais voulu se marier avec. C'est même Malik qui me l'a avoué. Oui. Et c'est pour ça qu'elle s'est rabattue sur moi. Épouser un couillon dans mon genre, c'est moins catastrophique pour elle. Attendez, quitte à se marier sans amour, vous pensez qu'elle avait intérêt à choisir un Français? Elle se sent pas chez elle ici, on s'est pas gêné pour lui faire comprendre. Et en plus, elle doit scoltiner votre mère. Alors excusez-moi, comme moins catastrophique. La laisse pas partir, papa. Va la chercher. C'est une maman comme ça que je voudrais. Vous voulez vraiment qu'elle parte? Vous vous sentez capable de vivre sans elle? Maman? Bah alors, foncez la chercher. Allez, vas-y, vas-y! T'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh, je suis pas inquiète. Ça, ça va la faire venir. Oh, bon, on est sauvés, alors. Aminata!
dépasser le car? Oui, il vient de partir. Merci. À l'intérieur, il faut que je lui parle. Ouvrez-moi. Aminata. Aminata. Aminata, je sais que t'es là, descends. Et ouvrez-moi, s'il vous plaît, il y a ma femme qui s'en va, je veux pas qu'elle parte. Mais ouvrez, mon sang. Mais écoutez, allez-vous-en, faut que je démarre, moi. Allez-vous-en. Aminata. Je peux pas vivre sans toi. On se quittera plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Tu descends du cadre. Regarde qui c'est. Attention. Bien que tu sois revenue. Et Mali, qu'est-ce qu'on va faire? Il va pas me laisser tranquille. T'inquiète pas, ça va se tasser. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, tu comprendras plus tard. Tu vois, malgré tes manœuvres, t'as pas réussi à nous séparer. Maintenant, c'est fini. Je veux plus jamais que tu t'immisces dans ma vie privée. Tu veux que je m'en aille? Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Tu nous as fait assez de mal comme ça. Très bien. Je m'en vais. Je te demande juste de me laisser continuer à voir mon petit-fils. Ce serait trop dur sans lui. Je souhaite d'être heureux. Joséphine, on ne peut pas laisser faire ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Fais-lui confiance. Allez, viens! Ah! Claudine, attendez, Claudine. Claudine, attendez. Et si on faisait la paix toutes les deux? Vous êtes chez vous ici. Je suis jamais venue pour vous chasser. Vous ne voulez pas vous venger? Après tout ce que je vous ai fait? La vengeance. Au début, ça fait du bien. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Moi, tout ce que je veux, c'est rendre Thomas et Adrien heureux. Et on peut être deux à les aimer. Ça me dérange pas, bien au contraire. Alors restez, Claudine. C'est moi qui vous le demande. Comment j'ai pu si mal vous juger? J'ai fait tout ça en croyant agir pour le bien de mon fils. J'ai pas su l'aimer comme il fallait. Tout le monde peut se tromper. J'ai vraiment de la chance d'avoir une belle fille comme vous. Je regrette de vous avoir fait autant de mal. Alors, cette fois c'est pour de bon. Ah.
Au fait, Aminata, on a pensé que pour votre mariage, ça vous ferait plaisir d'avoir les personnes que vous aimez autour de vous. Alors, on les a fait venir. Oh. Ah, les jeunes, on a un petit truc à faire à la mairie là. On fera la fête après, c'est promis. Allez hop! Depuis avant le mariage dans le village, vous allez être servi là. Malik, tu m'en veux pas trop, hein? Non, au contraire, grâce à toi, j'ai fini par découvrir le charme de la campagne française. Bon, bah, je crois que je peux partir tranquille, ils ont plus besoin de moi. J'aurais bien attrapé le bouquet de la mariée. Allez, Joséphine, rentre. Joséphine? Bien.